vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui se trouve être encore un nouvel update lecture. J'ai deux livres à vous présenter cette semaine, dont un qui était assez long, enfin je pense qu'il est assez long, même s'il se passe des choses, tellement de choses dans ma vie en ce moment qui prennent énormément de temps, j'ai quand même eu le temps justement de lire. Et ça, c'était vraiment trop cool, ce qui n'arrivera très certainement pas pour la semaine prochaine. Du coup, je vais essayer de voir si je pourrais pas participer à un petit challenge que j'ai vu sur la chaîne de 4e de couverture. Voilà, je suis en train de réfléchir, mais je pense qu'il y a peut-être moyen quand même que je me mette un challenge. Là, en fait, il va commencer là, donc faudrait peut-être quand même que je m'y mette rapidement. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, donc on va commencer tout de suite. Alors, le premier livre que j'ai lu cette semaine, c'est « Je peux très bien me passer de toi » de Marie Vareille. Donc, Marie Vareille, là, c'est le 4e que je lis d'elle et franchement, j'ai adoré tous ses livres, plus ou moins, hein, j'ai mes préférés, mais j'ai vraiment envie de découvrir en fait tous ses romans. Et en fait, comme d'habitude, je ne pense jamais à vous faire les résumés, mais c'est un pénible. Bref, pour vous résumer, je peux très bien me passer de toi. On va suivre trois amis, essentiellement deux amis, et il y a une troisième en fait qui se greffe au groupe, mais on laisse sa vie un petit peu de côté. Alors, d'un côté, on va suivre Chloé, qui est une jeune femme qui est très séduisante, qui attire les hommes, elle a une vie relativement bien en fait, elle a un boulot, elle a tout qui va bien. Sauf que il y a 2 ans, elle s'est séparée de Guillaume et elle n'arrive pas à tourner la page. Elle cherche toujours à plaire à Guillaume et elle n'arrive pas à se décrocher alors que Guillaume est dans une nouvelle relation et il va se marier. Mais elle n'arrive pas à passer outre parce qu'elle a perdu l'amour de sa vie et c'est trop difficile pour elle. À côté de ça, on va suivre donc du coup une copine qui s'appelle Constance, qui est excessivement romantique. Mais alors si je dis pas de bêtises, c'est une date super importante en plus dans le livre. Je crois que ça fait 26 mois qu'elle est dans la zone de No Sex Land, entre guillemets, c'est comme ça qu'elle l'appelle dans le bouquin. Elle est excessivement romantique, elle veut rencontrer le prince charmant qui, si possible, peut être un anglais parce que elle, Jane Austen, c'est toute sa vie et elle aimerait bien rencontrer son monsieur Darcy. Mais voilà, elle rencontre personne, elle est dans un boulot pas très valorisant et qui ne lui plaît pas. Et son objectif, ce serait de déménager en Angleterre, de trouver un job en Angleterre et essentiellement à Londres en fait, et puis de rencontrer l'homme de sa vie là-bas et voilà. Et donc il y a Charlotte, mais Charlotte on la laisse un peu plus de côté. Donc en gros voilà, on va suivre l'évolution de la vie de Constance et de Chloé avec une alternance de points de vue à chaque chapitre. Voilà. Maintenant, ce que j'en ai pensé, déjà c'est un feel good. Et voilà, c'est vraiment un feel good, c'était super sympa, super léger, ça se lit super vite. Avec, comme je vous disais, tout ce qui se passe dans ma vie, j'ai des moments dans la semaine où j'ai pas le temps de lire. Pour vous dire, celui-là je l'ai commencé en 2 jours, j'ai lu 30 pages, c'était terrible, alors qu'au final j'aimais bien, hein, mais j'ai lu que 30 pages, mais le jour d'après... j'avais possibilité de lire, et ben je l'ai fini. J'ai tout lu en une journée. Donc voilà, c'est du Marie Vareille au final. C'est pas mon préféré, mais c'était super sympa. Et voilà, au final, elle a des bonnes expressions, on rigole bien, c'est beau, c'est voilà. Je peux pas trop vous en dire plus à part que c'est léger, c'est bien écrit, c'est drôle. On se sent bien en fait quand on le lit et je pense que c'est le principal quand on lit un livre, c'est de se sentir bien et voilà.
Je vais m'arrêter là pour celui-là. Donc, si vous ne connaissez pas Marie Varey, allez-y, les yeux fermés, c'est vraiment super bien. Et je peux très bien me passer de toi. Il est bon. C'est pas mon préféré, mais il est bon. Voilà. Ensuite, deuxième livre que j'ai lu cette semaine. Alors là, je savais que ça allait être un peu dur à lire, que ça allait toucher à un sujet un peu complexe. J'avais un peu peur, il est dans ma palle depuis tellement longtemps. Je crois que c'est Nine qui m'avait donné envie de le lire. Donc Nine qui n'a pas fait de vidéo depuis très longtemps. Donc je pense que ça fait au moins 2 ans que je l'ai dans ma pile le lire. Voire même 3 ans. Bref, j'ai lu Forbidden de Tabitha Suzuma. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Pour vous faire un résumé assez rapide, on va suivre une famille de 5 enfants avec des parents qui sont totalement... Enfin, ils laissent complètement leurs enfants faire leur vie. Le père refait sa vie de son côté et la mère ne veut pas s'occuper de ses enfants et elle est tout le temps partie, elle a un problème avec l'alcool. Donc, on va avoir Lo Shan, je pense que c'est comme ça que ça se dit, qui va avoir 18 ans. En dessous, on a Maya qui va avoir 17 ans, donc ils ont 13 mois d'écart, tous les deux. Et tous les deux, en fait, ils vont s'occuper des trois plus jeunes. Donc, on a Kit qui a 12 ans, je crois. Ensuite, j'ai complètement oublié son nom. Il a 9 ans et Willa qui a 5 ans. Donc, ils vont tous les... Donc les deux plus grands vont au lycée, s'occupent d'aller récupérer les petits à l'école, de leur faire faire les devoirs, de donner le bain, de les nourrir, de faire la cuisine, le ménage, plus eux, leurs propres devoirs et tout. Et en fait, le gros sujet de ce roman, c'est le sujet de l'inceste. Puisque Lo Shan et Maya vont développer des sentiments amoureux l'un pour l'autre. Et on va suivre un petit peu le combat qu'ils mènent parce que c'est totalement tabou, c'est interdit par la loi, c'est mal. Mais en même temps, ils n'ont que en fait des sentiments amoureux très très forts l'un pour l'autre. Et ils ne sentent pas en fait le lien d'amour entre un frère et une sœur. C'est vraiment un lien d'amour pour son compagnon. Et voilà. Donc, c'était... avant de me lancer dedans, je me suis demandé comment ça allait être traité, comment ça allait se passer. Et au final, en fait, c'était très bien. J'ai vraiment adoré ma lecture. Le sujet de l'inceste, il est... C'est... Je sais pas trop comment vous en parler parce que c'est super compliqué. Il est amené... Enfin, il y a des questionnements, mais en même temps... Il est présent, hein, c'est le cas. Mais ce que j'ai trouvé par contre, c'est vraiment énormément le thème de l'abandon parental total, qui vraiment on sent que c'est quelque chose que l'auteur elle cherche vraiment à mettre vraiment un point de, enfin, de faire un point dessus très très important. Et on est révolté contre la mère qui abandonne complètement ses enfants pour aller faire sa vie à côté et. Enfin, il y a vraiment des situations qui sont un peu horribles. Et voilà, c'était tout le livre en fait. J'ai vraiment apprécié ma lecture, c'était bien. En fait, je saurais pas comment vous expliquer, mais même si le sujet de l'inceste c'est quand même quelque chose de grave et de complexe, et voilà, c'est traité, je sais pas, c'est bien traité. Et la fin, cette fin, je ne m'attendais pas à cette fin-là. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Normalement, quand je suis en larmes, quand je lis un livre, ce qui arrive moins souvent que quand je regarde une série ou un film, au bout d'un moment, j'ai un petit lac de larmes ici. C'est la première fois que mon petit lac de larmes-là, j'en ai vraiment partout en fait. Mon lac déborde, ça devient une mer en fait de larmes. Voilà, c'était super poignant, c'était super dur à lire,
Mais c'était vraiment trop bien en fait. Je regrette pas du tout de m'être lancée dedans. Après, je pense qu'il faut vraiment le lire pour se faire sa propre opinion. Moi, j'ai trouvé que c'était bien traité et l'auteur pour le coup, on sent vraiment que voilà, c'est un sujet qui lui tient à cœur, mais que ça, enfin, c'était pas évident pour elle de l'écrire. J'ai lu la note de l'auteur à la fin qui dit qu'elle a voulu abandonner son histoire plusieurs fois parce que oui, effectivement, c'est un sujet qui peut révolter les gens voilà, je sais pas. Je savais en fait en le terminant que quand j'allais vous en parler, j'allais être totalement indécise sur la façon de vous en parler. Voilà, je peux juste vous dire que j'ai passé un très bon moment de lecture. Ça fait ressentir quand même plein d'émotions, de révolte, d'injustice, de tristesse, de mignonnerie quand même, parce qu'ils sont mignons tous les deux et ils s'occupent tellement bien de leur petit frère et de leur petite sœur que. Mais on dirait vraiment un papa et une maman au final, et c'est pas normal qu'ils doivent faire ça, puisque les parents, normalement, c'est eux qui élèvent leurs enfants, et il n'y a pas besoin que ce soit les enfants qui élèvent leurs frères et sœurs. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour celui-là, parce que de toute façon, voilà, je sais pas, je peux pas trop. Je ne peux pas trop vous en dire plus, mais si vous voulez vous faire votre propre avis, lisez-le. Ça se lit quand même vraiment bien et voilà. Et je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, essentiellement parce que j'ai plus rien à vous dire et aussi parce que j'ai 20 milliards de choses à faire. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ma bibliothèque commence à se vider. J'ai plus de bibelots, j'ai des livres qui ont commencé à s'en aller. Normalement, je déménage samedi, j'ai tellement hâte, mais du coup, bah forcément, les cartons, les meubles à démonter, plus la reprise officielle de l'école avec des élèves demain qui est potentiellement compliquée et stressante et difficile. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir ces deux auteurs-là ou ces deux livres-là si vous ne les avez pas encore lus. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!